retour dans Pokémon version platine. Donc aujourd'hui on se retrouve à Cherbourg. Donc voilà, donc attendez, je vais pas vous montrer tout de suite mes Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve à Cherbourg, hein, c'est tout à fait normal parce que j'ai fait une grosse session XP. Enfin une grosse session XP. J'ai fait ça en plusieurs jours. Parce que voilà, c'est un petit peu chiant. Donc c'est là. Donc c'est là en fait. Cette fille là que j'ai parlé, c'est une des filles que je vous ai parlé au tout début, qu'il y avait des combats dans le centre Pokémon. Je l'ai fait pour XP, mais bon voilà, c'était bof. Et voilà mes Pokémon qui ont bien XP et dont deux évolutions qui étaient un petit peu inattendues. Je n'ai pas fait attention à quand est-ce qu'ils évoluaient. Donc déjà vous pouvez remarquer que j'avais capturé un Grignot. Donc voilà, un Grignot niveau 20 que vous avez pu voir dans le dernier épisode. D'ailleurs dans ce dernier épisode je m'excuse pour la fin. Je vais juste me rappeler, je m'excuse pour la fin parce que j'ai eu quelques petits problèmes. J'ai eu du mon Nunchuck qui est arrivé, voilà, sans prévenir, donc j'ai été surpris. Et donc j'ai décidé de... j'ai tout de suite arrêté le son en fait pour moi. Donc vous m'entendez plus, mais par contre vous voyez encore le combat. Donc j'ai fini le combat devant vous et voilà. Donc voilà, donc j'avais attrapé un Grignot que j'ai XP jusqu'au niveau 25. Donc voilà, je me suis dit tous niveau 25 minimum. Togepi hein, pour l'instant, voilà. À l'écart. D'ailleurs, j'ai donné un objet spécial que j'ai retiré pour Roselia qui elle aussi. Qui a up, hein, voilà. Je suis quand même dégoûté parce que à chaque fois je mets des fraps pour me préparer au cas où à l'évolution pour que je puisse vous le filmer. Et au moment où je le mets pas, son amitié était au max, donc voilà, je me suis fait avoir. Voilà, que dire de plus, Roselia, bah, les attaques. Roselia a pris une attaque qui me plaît bien, Giga Sensu. Voilà, je l'ai remplacé comme d'habitude par Méga Sensu. Ensuite, et Tourvoil, voilà, il a pas up. Poscara a bien up, lui, hein, je l'ai bien XP. Il a rien appris, mais bientôt son évolution, hein, j'ai vérifié les niveaux d'évolution. Lucio qui a up aussi, je vais monter, d'ailleurs il va bientôt up. Et j'ai aussi attrapé un Ponyta. Voilà. Karmage, lui, il a rien appris non plus. Voilà, donc il y a que Roselia qui a pris une attaque. J'ai rien fait de spécial, sinon j'ai vraiment utilisé le charge US, hein. Dès que je l'ai obtenu, boum boum boum, j'ai fait que ça. Ça, ouais, ça sert beaucoup, hein. Contrairement au Pokémon, c'était un petit peu plus rapide. Le problème, voilà, c'est des BL, donc c'est chaud quand même. Je vais récupérer mon Ponyta. Je devais déposer... je vais devoir déposer Togepi. Hein. Le problème, c'est que son... Ouais, c'est pas grave, allez. On fera ça un autre jour. Ponyta est plus important. Puisqu'il servira beaucoup plus tard. Donc il va avoir le multi-expérience sur lui. Et je vais continuer l'aventure. Alors, je fais une petite sauvegarde. Parce que après, sinon, ça va me prendre du temps. Allez. Donc voilà, ça fait deux jours que j'ai pas fait de vidéo. Je reprends juste là. Jusqu'à là, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, j'avais le pack de français. C'est bon, il est passé. Je suis content. Maintenant que c'est fait, c'est fait. J'y pense plus, c'est parfait. Allez. Et ben voilà, donc voilà. Nous sommes à Cherbourg. Oh, il va bientôt faire lui. Alors. Donc si vous vous souvenez bien, j'ai XP tout dit. Donc je reviens à ce que j'allais dire. Si vous vous souvenez bien, j'étais... Hop là, enlève ton vélo. Je m'étais arrêté là. Ouais, je m'étais arrêté ici. J'étais pas allé plus loin. Devant cette grotte. Devant le mont couronné. Première partie du mont couronné qu'on visite. Enfin, j'ai déjà visité avant, mais je l'ai fait en off. Ah, je m'en souviens très bien. Allez, on est parti. On ne court pas dans une grotte, sinon les combats, ça fait que ça. Je vais pas mettre Luxio. Je vais mettre Étourvol. Non, j'ai pas donné une petite expérience. Objet donné. Multi-expérience. Alors, oui, si je pouvais utiliser éclatrotte pour aller plus vite, mais je vais faire le tour.
dans un monde nouveau, un monde où seul le temps s'écoulait et l'espace s'étendait. Le conflit n'aurait jamais dû exister. Mais qu'est-il arrivé à ce monde? Le conflit serait produit qu'un esprit humain est faible et imparfait. Il met le monde en péril. Je trouve cette situation tout à fait déplorable. D'accord. Si tu veux, yo. Continuons-nous notre aventure. Hop là, ouais. Désolé, mais je m'en souvenais très bien qu'il y avait... Faut toujours vérifier sur les pierres, il peut y avoir des choses intéressantes. Ah, donc quand vous avez vu la Pokéball que je ne peux pas récupérer, je dois avoir force avec moi. Un Tarineur. Pourquoi j'ai mis les tourfois de moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai fait une connerie. Il va up. Non. Je ne pas tout. Je le tente, hein, mais ça va pas être fameux. Non, je le tente pas. Je vais faire. On a déjà combattu, hein. C'était avant de recevoir le cherche VS. Il n'y avait aucun Pokémon avant là, c'est une blague sérieux. Ah parfait. Celui-là par contre je combats. Un petit Corviknight. Alors voilà, donc maintenant que j'ai une petite expérience, je vais gagner beaucoup moins d'expérience. Oui, c'est logique. Ça va être solidaire dans la vie. Allez. Non, c'est une blague. Hop là, c'est bon. Alors, je change tout de suite de Pokémon parce que je sais quel est le Pokémon. Quels sont les types de Pokémon qui sont ici. Faut faire le maximum de combats. Hein. Je ne répéterai jamais assez. Mais parfait tout ça, bah, c'est bien tout ça. Voilà mon petit Karmash, je suis très content de mon Karmash. Hein. J'étais très content d'avoir trouvé la grotte. Punaise, je pensais pas que j'allais la trouver aussi facilement. Normalement je me fais pas attaquer par la tempête de sable puisque c'est un type sol. Et boum, in your face. Yes, puisque c'est un type proche, les attaques type sol sont extrêmement... puissante. Hop là. Oh punaise, la multi-expérience, ça bouffe quand même. Hein. Ça bouffe. Mais bon, faut savoir hein, quand on veut faire quelque chose. Je ferai du off aussi. Hop. Changement de Pokémon. C'est un combattant. Donc, type vol. Parfait, tout va là pour hop. Salut. Oui, je m'en souviens à peu près de tous les combattants. Parce que après les Pokémon je sais plus, mais bon voilà, je connais un peu. Là, déjà up, ça c'est sûr. 20, 26, Fraps. Re tout le monde, désolé. Il a recommencé Fraps, hein. Il est retourné en bas. Parfait. Je dis que c'est pas un peu Ponyta, hein. Mais bon voilà, c'est... Après je ferai beaucoup de off avec lui, hein. J'irai beaucoup combattre des... quelques Pokémon. Oh là là, putain, faut changer. Non. Tu retournes à ta place toi. Ouh, 2000. C'est vrai qu'en gardant là, tous mes Pokémon sont... Alors deuxième évolution, hein. Bon, sauf Ponyta bien sûr, mais il n'a qu'une autre évolution, il n'y en a pas d'autre. Là vous voyez ici là, mince, il est caché là. Ici là je suis sûr qu'il y a quelque chose. Je vais voir après. Je vous parie. Je parie. Je le sens. Ah il est beau. Ensuite un petit... c'est Karchakrok je crois son émotion. Ouh j'oublie son nom. Putain j'adore son Pokémon. Je sais que la maître Pokémon là. Trop tard, je l'ai dit, hein. La maître Pokémon en a un, Karchakrok. Si, c'est un Karchakrok. Enfin bon. Oh putain, il donne pas mal lui. Ah oui, c'est vrai, j'allais souvent, je venais souvent ici. Oh la blague. Ok, j'ai perdu le pari, désolé.
Attendez, c'est pas encore perdu. C'est perdu. Ah, le piège. Voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut tout son temps. Si, en fait, Éclatroc, ça sert juste au départ une fois, et ensuite, ça sert juste à les récupérer, pour aller récupérer des objets. Après, voilà, vraiment, les trucs qui vous servira sera escalade et force. Alors, elle, attendez 2 secondes. Je vais tenter avec Ponyta. Parce que c'est une type plante, je me souviens. Oh, merci. Enfin, c'est une éleveuse, je crois qu'elle a un Roselia. Voilà, je m'en souvenais bien, Oh, elle a une capsule ball. Elle met des capsules pour Pokéball. Et voilà, alors là, alors oui, je vous ai pas dit ses attaques. Alors, notre cher Ponyta a charge, Mimikeu, Flamèche et Roue de Feu. Roue de Feu qui est très intéressant. Hein. Quand j'ai vu ça, c'est mignon. Parfait, 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 parfait. Ouh, je sens que ça va être ici que je vais venir pour XP Ponyta. Je crois qu'elle a que des rosiers. Oh là 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 là. Ah non, Apitrini, Apitrini. Oh, continue. Oh, c'est parfait pour Lucio, ça aussi. Apitrini, ouais. Oh là là. Mais donc, c'est qui ça, HL, ça? Ah, j'ai bien fait des augmenter, punaise. Hein. C'était niveau 20, il y en avait 19. Hein. Bon, Apitrini, il pourrait pas évoluer. Et bien, Apitrini évolue au niveau 30. Ouais, au niveau 30, que si c'est une femelle. Il peut évoluer en Apirène. Il n'y a pas Apirois. Hein. D'ailleurs, ça aurait été intelligent de leur part de faire ce Pokémon. Apirois. Ouais, ouais, ce serait. Re tout le monde. Putain, fais pas rire ça. Fabs qui saute d'un écran à l'autre là. Moi, je veux pas ça, moi. Toujours de baie, c'est ça qui est bien. Ça fait 10 minutes à peu près. Alors, apparemment, tout le monde m'appelle le maître pêche. Chaque jour, je détruis des baies dans l'espoir que les gens réalisent à quel point elles sont formidables. Tiens, tu la mérites. Ben marron, parfait. Voilà, donc lui, tous les jours, il donne des baies. Et elle, elle me donne. Et tu sortais en l'air à oublier où tu as pris des baies. Oui, 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 je le savais, je suis comme toi. Je me sens avec des affinités avec toi. Tiens, prends le lieu de ce Pokémon. Voilà, c'est fait exprès. Tu veux essayer le Pokémon, ça fait plaisir. Est-ce que tu veux... Non, merci. Ah là là. Allez. Lui, c'est un type psy. Je m'en souviens bien, celui-là. Type psy, type psy, type psy, type psy, type psy. Ouais, attaque morsure, ça peut être psy puissant, ça. L'attaque morsure sera puissant. C'est un cadabra, ça. Ah non, c'est un psychowak. Oh, ben. Oh, je sais plus, oh, je sais plus si c'est un... Non, c'est un psychopac, c'est un psychopac. Ah non, voilà, il y avait bien un Pokémon si j'avais bon souvenir. Hop là. Bon, ça y est. What the fuck? Roselia. Donc voilà, donc l'équipe que j'ai là, normalement, ça sera l'équipe finale. Hein. Je prendrai peut-être le Pokémon légendaire pour la Ligue Pokémon. Voilà, hein. De toute façon, tout le monde le fait. Et bon, c'est vraiment juste pour, voilà, pour être sûr d'avoir un gros Pokémon avec moi. Tape fort, ils ont des attaques assez spéciales que j'aime bien. Oui, bien ça, Ponyta. Écrasement, ah ça j'apprends. Ça j'apprends, oublier une capacité contre charge. Pas besoin de charge, hein. Je crois que j'ai passé le niveau. Très bien, très bien. C'est pas un combat. Et en temps, Lama, c'est à toi. Clé de voûte. Ça, ce sera pour plus tard. Ça sera pas pour cet épisode, je pense. J'aurai pas le temps. Non. Je vais le prendre, justement. Voilà.
C'est logique, c'était très logique. Un trou comme ça, ça fait bizarre. Alors. Pokémon Luxio, Ponyta. Mais Ponyta monte doucement, mais ça monte. Luxio est encore niveau 25. Heureux tout le monde. Putain, il m'énerve à faire des bons là. Pardon. Quand on me dit une oublie, je réponds tout de go. Une oublie, c'est un endroit génial chaque année. Elle est la ville la plus agréable de Sinnoh, sauf qu'elle est moche. Moi, je sais pas, il a rien de spécial. Heureusement que tu étais là. Sans toi, qui sait où mon appareil se serait enfui. Petit appareil, tu vas tout de suite retrouver ton Pokémon. Je m'appelle Karine, je suis juste de concours Pokémon. Passe à la salle de concours, je te remercie comme il se... Très bien, très bien. Bah, c'est bien gentil tout ça. Petit coup de vélo. On va aller plus vite. Tu es un investisseur, n'est-ce pas? Tu as le choix entre deux compétitions. Arène ou les concours, c'est ça? Tout à fait. Alors lui, il me donne rien du tout. Comme il dit, si tu laisses des Pokémon à la portion, il arrive qu'on y trouve un œuf ou ce qui s'apparente à des œufs. Je me demande si comment se porte le professeur Arm qui étant le professeur de la région Kanto, non Johto. À la portion de Bronzeville. Attendez, tu as appris la nouvelle, ils ont trouvé un œuf à la bombe. D'accord, cool, mais on s'en fout complètement. Le bruit court qu'ils trouvent des œufs aussi à Johto de temps en temps. Non, j'ai pas demandé. Lui, il vous fait la visite de la ville si vous lui parlez. Je enlève mon truc parce que je lag comme un malade. Je perds des FPS à une vitesse, c'est impressionnant. Là, il me donne pas une pierre. Je fais voyager un Pokémon. Non, elle me le dit. Elle dit qu'elle utilise une pierre pour faire voyager. D'ailleurs, j'en aurais besoin d'une pour mon Roselia. Alors, attendez, je sais qu'il y en a un qui me donne quelque chose ici. Les pensées d'autrui nous sont inconnues, ce qui engendre le doute et la crainte. Pourtant. Les vins, d'accord. Donc ça c'est l'église, hein, pour qu'on pas remarquer. Les Pokémon, les gens, il est naturel que nous soyons différents. Ne juge jamais un Pokémon sur sa force ou sa faiblesse. Tu dois chercher la bonté au fond de son cœur. C'est tout ce qui compte. Très bien. Et c'est des mots que certains sauraient décrire. Amour et joie. L'esprit et la matière, rien de bon ne peut advenir si l'un est plus fort que l'autre. L'équipe est indispensable, c'est la clé. Aucun son, l'activité créative fatigue l'esprit. Lorsque l'esprit est reposé, le désir de créer revient, c'est vraiment un cycle merveilleux. Oui, merveilleux. Si les puissants en font trop, alors il faut une contribution de l'autre. Les puissants doivent faire de cette manière, tout le monde peut cohabiter en se partageant la tâche. Putain, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui me donne un objet. Il est vrai que l'homme ressent de la solitude et les sources de compassion. C'est qu'il chante. Le passé contient toutefois une manière et le temps. Ah, d'accord, c'est pas toi. C'est là que je vois mon père, mon fils, ma vie. C'est là que je vois la nature, les Pokémon, le monde. Ok. Quand les gens, les Pokémon avancent main dans la main, le monde est heureux. Eh ben, dis donc qu'ils sont bizarres dans cette église. Pa. On sort. Voilà. Ici, je ne m'en souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est bien cool. Porte ouest du square paisible, voilà. Plein d'objets à récupérer. Voilà, donc si vous allez les récupérer, il faut avoir un de ces Pokémon. Oh, oh, combat double. Est-ce qu'on va le faire? On va se le faire, allez, soyons au fond, on va se le faire. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons vous soigner au Pokémon. Voulez-vous soigner? Oui, je vais le soigner. Eh ben, allons-y. Et voilà, comme prévu, j'espère que c'est bien qu'on va double. Oh non, faut reparler aux deux. Ah ben voilà, je me suis bien fait avoir. Ah non, pas du tout. Et ils font tous up, hein. Au moins, ça prouve que je les ai bien expérimentés.
Allez, on le finit. Hop là. Et, parfait. Niveau 26. Bizarre qu'il apprend rien. Bizarre. Bodge wave. Spectre et folle. Alors, morsure aura de l'effet. Étincelle aussi. Bon, ben voilà. Là, j'avais les deux techniques pour avoir de. Ouais, bon, je suis obligé de souffler là parce que là. Là, il fait que ça là. J'ai plein de dossiers là dans. Allez, ça c'est fait. 880. Ce qui est plus stressé. C'est notre enquête, ok. J'ai posé sur toi, l'inspiration m'est venue, j'aimerais. Mince, j'ai pas joué Pokémon. Si ça me dérange, monsieur. Je suis désolé, monsieur. En fait, de Pokémon. Mime Junior. Toi, je te housse. Machoc, on change de Pokémon. Karmash, c'est à ton tour. Donc dans cette ville il y a une autre arène aussi. C'est l'arène du Neopolis, l'arène de type spectre. Une arène assez compliquée. Hein, enfin oui, faut avoir des Pokémon de type ténèbres. Le problème c'est que les types spectres, si j'ai bon souvenir, font du dégât aussi contre les ténèbres. Voilà. Parfait, parfait. Allez, on continue. Oh. Est-ce que je ferai un concours? Ouais, je vais faire un concours. J'ai pas le temps de faire un concours. Je n'ai pas le temps. J'ai juste à chercher les objets pour le concours. Hein. Alors, celle-là, c'est celle qui fait les PC. Celle qui pense en PC, voilà. Donc, si je lui parle, elle va me demander. Youhou, oh, tu es un dresseur, donc tu utilises des boîtes Pokémon, j'adore quand j'ai des utilisateurs. Ok, t'il, pourquoi c'est étonné? Oh, c'est vrai, pardon, une fois de plus, je parle trop. Je m'appelle Amel. Tu sais, les boîtes Pokémon du PC, c'est moi l'administrateur du système. L'administrateur système. Je sais que c'est une adresse, mais ça te dira un Pokémon appelé Évolue. Attrape. Et je ne peux pas te le donner, il n'y a plus de place équipe. Voilà, donc maintenant, ça sera plus. Points d'interrogation, mais le PC d'Amel, c'est bien cool de sa part. PC d'Amel, voilà. Ça fait con d'ailleurs, PC d'Amel. Enfin, voilà. Ouais, c'est pas tellement son PC parce qu'après ça part. Enfin, je sais pas comment ça marche. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer Ponyta. Ensuite, je vais prendre donc son Évolie. Et ensuite, j'irai l'emmener à la pension que nous a parlé nos chers, ces chers monsieur en dessous qui nous bloque plus bas. Dans version perle, c'est totalement différent. Hein. Il parle aussi d'un œuf, mais c'est l'autre monsieur au-dessus qui parle du professeur Orm. Oui, du professeur Orm. Et en fait, ben, là, il vous donne un œuf. Et alors, attendez, j'ai fait un truc que je vais pas. Voilà. Voilà, j'ai mon Evoli. Il va repartir au PC. Donc, du professeur Orm, donc ça sera un œuf. À l'intérieur de cet œuf, ça sera un petit ravi. C'est un Pokémon. C'est bon, ça n'a pas une grande puissance, mais par contre, il y a une défense. Défense de fer. Allez, il est mignon, petit Evoli. Alors, retirer. Ponyta, viens avec moi. Voilà, c'est bon. Je sauvegarderai après. Ouais. Ouais. Ouais, je le sens pas. Je sais pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. 60 Pokémon. Parfait.
Et voici le la reine du concours Pokémon, je sais pas comment l'appeler. Et voilà. Oh maman. Oh bonjour Maquillan. Attends, non pas possible. Ingris, ta maman. Tu dois t'y connaître en concours. Oh ça j'en sais rien. Je n'ai jamais parlé des concours à Maquillan, mais je suis surprise que vous connaissez. Oh c'est vrai, j'ai bien. Je dois te remercier pour tout à l'heure pour cet accessoire. Poudre luisante. Merci beaucoup. Maquillan range sur poudre luisante dans le coffre mec. Mais cet accessoire, c'est un Pokémon avant un concours, il donnera un zeste de sophistication et de glamour, d'accord. Juste de concours, rejoins-nous, tu verras, c'est très amusant. Si tu n'as pas confiance en moi, nous proposons aussi des entraînements. Très bien, Grid, à la prochaine. Salut. Elle va me passer un magnifique smoking. Je m'ennuyais alors, j'ai mis des voiles pour prendre des vacances à une police. Je suis vraiment surpris de te voir mon poussin. Si tu comptes vraiment participer au concours, tu dois changer de tenue. Il faut suivre l'exemple de ton Pokémon et te pomponner. On fait ça pour avoir un peu de style. Pokémon, tiens, un smoking. Je parie que ça tire à rien. C'est moi qui ai eu cours profiter du concours poussin. Tu dis qu'on verra sous un nouveau jour. Cette expérience devrait ouvrir les yeux. Allez, rentre à la maison. Rentre à la maison, alors. Tu comptes sur moi, mais je ne vois pas ta boîte à poupe. Je te conseille un peu d'entraînement, c'est ton contour de droite. Une boîte peaufine, je l'ai complètement oublié. Et bien on va la prendre dans cet épisode. Et voilà la championne d'arène. Que j'ai complètement oublié son nom, mais on s'en fout. De son nom, salut. Oh, je te demande... Oui, je te demande pas de nom. Ah yes, tu es là pour les concours, j'espère que ça te plaira. À ce propos, Chimera, le champion d'Arena New Base, participe aussi au concours. Elle est comment dire, très fantastique. Ça va, elle se la pète pas trop la meuf. Chimera, c'est moi, of course. Voyons, toi aussi, tu as l'air de me curieuse. Oh, ouais, soit. J'attendrai pour toi à l'arène. Parfait, parfait, parfait. En version perle, normalement, il est impossible de faire... Mince. Mais je m'en fous. Voilà, donc, comme je le disais, dans version perle... vous ne pouvez pas faire le... Enfin, la reine se fait qu'après le... La reine qui se situe tout au sud. Donc, par contre, je sais plus, mais bon, voilà. Donc... Il est vraiment effectué avec toi. Je m'en fous, je veux le truc de Poffin, moi. Non, c'est pas là. De quoi je parlais? Ah oui, voilà. Donc, en fait, vous devez faire la reine qui se situe tout au sud, et ensuite, ça se débloque. Ça se débloque qu'après, alors qu'ici on peut la faire tout de suite. Il faut d'ailleurs le faire tout de suite. Vous pouvez continuer l'aventure normalement. Bien manger, on est de ce point de vue, nous sommes identiques. Un C qui donne la boîte peaufine. Autant récupérer tous les objets rares. Bonjour, ici vous pouvez exciner vos bêtes, vos peaufines. Ah non, c'est pas elle. C'est elle. Ça y est, on passe au fourneau. Voici mes conseils pour régénérer les peaufines. Au départ, continuez la paix. C'est quand elle commence à lancer mes énergies, enfin fait le feu de retour. D'accord, donc c'est pas elle non plus. Donc le bluffy. Oh punaise, mais c'est qui me la donne déjà? Si vous pouvez payer vos baies, vos peaufines. En solo, Zé, vous pouvez avoir une. As-tu récupéré des baies? Une. C'est un ingrédient clé pour tenir plus la reine. Mais c'est pas vrai, qui c'est qui me la donne cette boîte? C'est au fan club en fait. Ça c'est fort de ma part, ça c'est fort de ma part. Bonjour, comment dire, Eh oui, c'est bien moi. Quelle sucrerie, comment dire. Et comment dire, tu fais parce que il est pas fini. C'est une belle preuve d'affection. Exemple, si je donne un peu fini sucré à un Pokémon, il sera plus gracieux. Autre exemple, si je donne un peu fini épicé, il gagnera, on s'en fout. Ma vie, comment dire, Poffin. En conséquence, je déclare très souvent que cette boîte de Poffin est pour toi. Ah, mais c'est. Oh là là. Bon, je vais pas faire de Poffin, hein. Ça fera que bugger Fraps. Donc, on part à la suite. La suite, eh ben, ça sera dans le prochain épisode. Oui. Hop là, on va se mettre devant la reine qui est ici. Hop là, je descends. Et voilà la reine de l'Union Podis 5 qui ressemble à toutes les arènes. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode, l'épisode 13, non, nous sommes dans l'épisode 13, l'épisode 14,
Oui, ça va vite, ça va vite. Allez, mettez-moi un petit pouce vert, ça me fera plaisir. Et bon, vous y êtes, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.